Bonjour, je m'appelle Jacques Expert et mon dernier livre c'est Le jour de ma mort. C'est toute la question, il pourrait presque y avoir un point d'interrogation à mort, c'est savoir si l'héroïne sera morte ou vivante quand les 24 heures de ce 28 octobre seront terminées. C'est toute la problématique et le suspense de ce roman. Et à propos de mort, justement, il y a quand même une réflexion qui me vient en tête maintenant, c'est de dire que finalement, la vie est la seule histoire qui se finit mal, puisqu'on y passe tous. Dans ce livre, il y a deux principaux personnages qui alternent dans le récit. C'est l'héroïne, Charlotte, qui, avec toute cette question qui va la fracasser pendant cette journée, c'est de savoir si elle sera vivante à minuit le 28 octobre. Et la deuxième personne, c'est le serial killer, un tueur en série, qui rôde dans la ville et elle se sent menacée par cet homme-là. Alors, l'est-elle vraiment? Ou est-ce la faute d'une paranoïa terrible qui s'empare d'elle? C'est tout aussi de la question de ce... Enfin, toute l'intrigue qui se passe dans ce livre, c'est que cette jeune femme est prise par une peur terrible et dont elle n'arrive pas à se détacher, sachant qu'il y a ce deuxième personnage. Donc, ce livre, c'est un face-à-face, un huis clos entre ces deux personnages, avec cette question, vont-ils se rencontrer et est-ce que ce sera le jour de la mort de Charlotte, l'héroïne? Quand on fait ou quand on écrit un polar, on essaie de faire en sorte que l'histoire ait du suspense et c'est vrai que ce à quoi je m'applique le plus dans celui-là comme dans mes précédents polars, mais je pense que c'est le fait de tous les auteurs de thrillers, c'est qu'il y a du suspense et je crois qu'à chaque instant de ce livre, et c'est là où le suspense réside, à chaque instant on se demande si ça sera le dernier instant justement de l'héroïne et si le tueur en série qu'elle croit la poursuivre, est-ce qu'il va l'atteindre? Donc il y a à tout instant une véritable tension qui pendant les 300 et quelques pages de ce livre ne se dément pas, c'est du moins ce que j'espère. Pour moi c'est essentiel et dans tous mes romans, on dit que mes romans sont des romans psychologiques et c'est vrai. Je m'intéresse à la psychologie de mes personnages et j'essaie de rentrer le plus loin possible dans leur caractère, qui implique des réactions, etc. Et c'est vrai qu'en amont, moi qui écris d'un seul trait, sans faire de chapitre, sans connaître la fin, etc., je m'applique, avant de commencer, à bien décrire les traits psychologiques de mes principaux personnages, afin qu'il y ait une continuité dans leur comportement tout au long du livre. Donc c'est la seule chose véritablement à laquelle je m'astreins, et qui n'est pas le plus facile à faire, c'est avant de commencer, je dessine le plus précisément possible les traits psychologiques de mes personnages, pour entrer au maximum dans leur tête. Et ce mot a beaucoup de résonance pour moi. D'abord parce que je pense que même vous derrière la caméra, vous êtes tous un petit peu monstrueux. On est tous un petit peu monstrueux et moi-même, je revendique d'être parfois un peu monstrueux. Et surtout le mot monstre m'intéresse parce que c'est par ce mot-là que j'ai commencé à écrire des romans. Puisque mon premier roman s'appelle « La femme du monstre » et je m'intéressais aux relations qu'il pouvait y avoir dans un couple entre une femme et son mari quand celui-ci était un monstre. Donc j'avais fait une longue enquête et j'en avais tiré ce premier roman. Et vous savez, c'est comme quand on fait de la bicyclette, quand on monte sur le vélo du roman ou du thriller, on descend plus, c'est ce que je fais depuis 11 romans maintenant.